Yarana les babalous, bienvenue dans ce nouveau jour. On est le jour 4, il me semble. Retour du cancer de Pink hier. Si vous voulez, vous regardez la vidéo d'avant. Et là, aujourd'hui, let's go Pacific Fair. Pas de shopping à faire, mais on va aller regarder ça. Toul. Donc pour se rendre à Pacific Fair, il nous suffit juste de prendre le tram jusqu'au terminus et de traverser le petit pont à pied. On a de la chance, le soleil est avec nous. N'oubliez pas de taper votre carte en sortant du tram. Et nous voilà arrivés à Pacific Fair. Allez, je vous emmène avec moi visiter en images les boutiques qu'on peut trouver à Pacific Fair. Alors, petite astuce, Pacific Fair est bien organisé. On pourrait même dire que le centre est scindé en deux parties. Donc la partie côté rivière, ça correspondra plus aux boutiques pour les petits et moyens budgets. Donc efficace pour le shopping quand on n'a pas trop d'économie. Et la partie haute correspondra plus aux boutiques de luxe, genre Dior, Louis Vuitton et ces trucs-là. Donc en fonction de votre budget, vous savez déjà plus ou moins où passer votre temps dans ce centre. Et ça, c'est la fameuse boutique où vous fabriquez vous-même vos peluches. Et maintenant, c'est l'heure de se restaurer. Alors, il se montoune au porc et à la crevette.
voilà quoi. Hein. On profite de la vue en même temps. Il fait super beau. Ben du coup, let's go goûter la soupe. Hein. Ça, je déchiquette tout seul. Ah. Je mets un 9,5 sur 10. Ça le goût. Voilà, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, on est dans la partie autre de Pacific Fair et c'est là où vous trouvez les boutiques de luxe. Après une journée à Pacific Fair, on retourne vers Surfers Paradise, donc le centre, et on va au marché. Et bien évidemment, on profite toujours d'un coucher de soleil sur la plage. Alors, le marché de Surfers Paradise est ouvert le mercredi soir, le samedi soir ainsi que le dimanche soir jusqu'à 21h. Vous y trouverez tout type de stands pour les petits et les grands, des produits locaux, des produits artisanaux, du maquillage, des jeux, des bijoux, des vêtements et vous avez aussi des stands pour vous restaurer. De quoi faire une très belle balade le long de la plage en soirée. Je vous laisse découvrir tout ça en images.
Et pour les plus sportifs d'entre nous, vous pouvez même admirer ou participer à des mini-matchs de beach volley. Et maintenant, on profite encore un peu de se balader sur la rue piétonne de Surfers Paradise avant de rentrer à l'hôtel. La bande, je vous récupère du coup pour le menu du soir. On se moque pas, je vous demande ça. J'avais la flemme. Du coup, on part sur des petits Doritos, bacon, garlic bread, donc des chips épicés avec son bacon sur son nid de garlic bread, accompagné d'une bière mousseuse. Non, allez, je déconne. En fait, j'ai la flemme de faire la cuisine. J'avais la flemme de manger un hamburger ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais parfois, c'est les petites choses les plus simples hein, qui sont les meilleures. Hein. Moi, je suis en train de filmer. Et eux, en fait, ils me coupent dans mon délire. Ils remettent leur tablette. Ils sont en train de parler. Alors, moi, je suis encore en train de filmer. C'est pas grave. Bon, étale la bonne, à demain, parce que demain, il faut se réveiller bonne heure. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui se passe demain, vous vous abonnez, vous mettez un like, vous activez la cloche de notification. Comme ça, vous verrez la semaine prochaine le programme. Voilà, voilà, tata bisous.